Hey yo poto, tu suis MMA depuis 3 mois, je te parle même pas de Silva, t'es un gros porc, tu crois que l'UFC c'est un sport, tu connais que Baki, tu sais même pas qui c'est Gaethje, je déboule comme un outsider, je vais te fumer dans le bachar quand t'as des oh. Ta vie de PNJ en allant lire les 10 livres de main character que je te donne gratuitement dans le lien en description. Bon les amis, j'ai décidé d'inaugurer un nouveau format sur Culture Bagarre, le Bajar Contenders, en hommage au Rap Contenders, cette émission mythique des années 2010. D'ailleurs, j'ai rédigé un article exprès de la Bajar News sur cette émission absolument géniale. Allez checker le lien en description pour plus d'informations. Dans le Bajar Contenders, va y avoir de la punchline en série. Je vais démonter tous les trucs qui m'énervent. Et en fait, le Bajar Contenders, il remplace mes premières vidéos un peu claquées au sol que j'avais appelées chaos verbaux. Je vous mets quand même le lien en description, j'avais déjà fracasser les PNJ d'extrême droite, mais je trouve que c'est encore beaucoup trop gentil, et j'en ai marre d'être gentil, j'ai envie de mettre encore plus de claques. Alors, bienvenue sur ce premier épisode de Bajar Contenders. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un personnage qui m'exaspère au plus haut point, le MMATX. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le terme, parce que je sais pas, je pense que vous connaissez probablement le footix. À la base, c'est un mec qui suit que le foot, qui change de nationalité tous les 4 ans quand il y a la Coupe du Monde en fonction du gagnant. Le mec ne connaît rien, mais en fait, il suit la vibe du moment. Donc, à un moment, il y a eu les Italiens, après, il y a eu les Espagnols, après, il y a eu les Brésiliens, après, il y a eu les Français, après, il y a eu les Allemands. En fait, les mecs, ils se trouvaient toujours des origines. Oui, tu sais, mon cousin au 5e degré, il est brésilien, ah oui, ma grand-mère elle allait en vacances en Italie, alors voilà. C'était des mecs qui me cassaient les couilles, et on a appelé ça des footix, parce qu'en 1998 il y avait la mascotte de la France, c'était un coq qui s'appelait footix, alors on a décidé d'appeler ces mecs-là comme ça. Et ben sauf qu'il y a les mêmes mecs qui déboulent sur le MMA, on n'a pas de nom encore pour le moment, alors j'ai décidé de les appeler les MMATX, et je vais vous donner tout de suite la définition de ce qu'est un MMATX. Personne passionnée, et j'appuie bien sur le guillemet des passionnés, de MMA lors de grand combat, besoin incompétent sur le sujet, mais qui n'hésite pas à donner son avis. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Alors, le MMATX, c'est un mec qui a déboulé il y a pas très longtemps. C'est un phénomène très récent, parce qu'en fait, le MMA, il a été légalisé qu'en 2020 en France. Parce que, avec la légalisation du MMA, le MMA est devenu mainstream, et comme tout ce qui devient mainstream, ça commence à devenir de la merde, parce que forcément, et ça, tous les PNJ s'intéressent à ça, et donc, il faut en attirer encore plus, et ben, pour attirer des PNJ, il faut faire des trucs de buzio. Donc, le MMA devient un truc de buzio. Salopard. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'adore ce sport. Moi, je suivais le MMA. À l'époque, t'avais encore le Pride. Ou aussi, en début 2010, t'avais des Brock Lesnar, t'avais des Anderson Silva, t'avais des gars comme ça. Et le MMA, c'était un truc un peu secret. Tu sais, il fallait pas dire trop que tu aimais le MMA parce que c'était des combats de rue, comme tous les PNJ y pensaient. C'était pas encore un vrai sport pour la plupart de ces mecs. Donc, quand tu suivais ça, t'étais un peu underground, si tu veux. Mais là, aujourd'hui, il y a tout le monde qui est abonné sur Instagram à Conor McGregor et tous ces rigolos, et donc ils pensent connaître le MMA, alors que c'est loin d'être le cas. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils suivent plus particulièrement les combats de buzio. Exemple, récemment, Baki Doumbé, c'est devenu n'importe quoi. Alors, j'aime beaucoup, je respecte ces deux combattants. Mais le problème, c'est qu'ils ont rendu ce spectacle absolument déplorable. Notamment Doumbé, qui a compris... En fait, Doumbé, il est intelligent, les gars. Il a compris que vous étiez des clowns. Et donc, il fait encore plus le clown pour que vous le suiviez et vous tombez à plein dedans. Il avait déjà commencé avec cette histoire de Jordan Zebou et je pouvais plus entendre les PNJ. Jordan, tu dors, les gars. Allez faire un combat avec Jordan Zebo, s'il vous plaît, là, tous ceux qui se sont foutus de leur gueule. Allez au MMA Factory, demandez Jordan Zebo, faites un sparring avec lui, il va vous éclater. Vous savez, c'est quoi le surnom de Jordan Zebo? C'est le fauve. Parce que le mec, en fait, il est tellement balèze qu'il a pété une cage en faisant un slam sur un mec. Et c'est de lui que vous vous foutez de la gueule. Mais les gars, vous avez jamais mis une paire de gants de boxe, vous avez jamais mis un kimono et vous vous permettez de rigoler sur des mecs comme ça, mais s'il vous plaît, allez vous battre avec lui. Si vous tenez plus d'une minute, je vous garantis, je vous donne 1000 balles.
Mais en plus des combats de Bezoul, le MMA Tix, il aime beaucoup aussi suivre les Français, et notamment l'UFC. Alors là aussi, c'est pareil, c'est très représentatif du peuple français, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui va gagner quelques combats, exemple Benoît Saint-Denis, tout le monde va le porter au nu. Oh oui, Benoît Saint-Denis représente la France, oh, on aime tous Benoît, on aime tous Benoît. Et Benoît, quand il se prend un KO, après tout le monde lui tombe dessus. Oui, mais en fait, c'était un terroriste, oui, mais en fait, c'est un méchant, il a tué plein de gens. Oui, c'est l'extrême droite, voilà. En fait, tous ces mecs-là qui crachent sur ces types après les avoir portés au nu, ils ont pas d'âme, en fait. C'est des phasmes. Et il y a eu la même chose à l'époque avec Cyril Gane. Cyril Gane, tout le monde, oh, le bon gamin, il a eu une chance de titre face à John Jones, qui est quand même, je le rappelle, le meilleur combattant MMA de l'histoire, ok? Donc, il y avait, encore une fois, peu de chances qu'il gagne, mais il a quand même eu les couilles d'aller dans la cage avec John Jones. Bon, il a perdu, mais c'est pas grave. Et là, il y a eu un déferlement de haine sur Cyril qui a été complètement aberrant, à tel point que le mec, ça l'a beaucoup affecté, parce que c'est un bon gars, Cyril Gane. Et donc, moi, je déteste ces mecs-là. D'ailleurs, jamais eu, hein, dans les commentaires, quand j'ai fait ma spéciale Saint-Denis, oui, alors, le mindset du guerrier, il dort depuis samedi, mais espèce de... Va, tu ne sais même pas ce que c'est un chaos, tu ne sais même pas mettre un étranglement arrière et tu te permets de critiquer des mecs comme ça. Mais tu n'as pas honte. Et ils pensent être intéressants, tu sais. Ils ont lu une analyse de combat de la sueur, tu sais. Ils ont lu un petit article là, sur la sueur ou MMA fan, je sais pas quoi. Et ça y est, les mecs, ils sont experts. Oui, alors il a trop accéléré au début du combat, mec. Mais de quoi tu me parles, mec? De quoi tu me parles? Est-ce que tu as déjà fait un combat? Non. Mais la fin de ta gueule, en fait. Parce que ces mecs-là, faut pas se leurrer. Si on regarde le profil type du mec, c'est un phasme, le gars. Alors souvent, en plus, il a de l'embonpoint. Il a un abonnement RMC. Ses sports à l'année, c'est pour ça qu'il suit les combats de l'UFC. En fait, le gars, il suit toutes les compétitions sportives, foot, MMA, machin truc, mais il pratique zéro. Le gars, il pratique que en regardant la télé, quoi. Le pire aussi chez ces mecs-là, c'est qu'ils ne connaissent absolument rien à l'essence du sport, à l'histoire du sport, déjà pour commencer. Le mec, tu lui parles d'Anderson Silva, tu lui parles de Brock Lesnar, tu lui parles de Alexandre Pequeno Noguera, le gars, il te regarde avec des yeux, on dirait que tu lui parles chinois, parce qu'il s'intéresse pas vraiment au truc. Et je te parle même pas de l'aspect tactique et stratégique, parce que le gars, il se permet de faire des commentaires. Oui, alors attention, il s'est pris un KO, il a baissé sa garde, mais mec... Tu connais quoi au sport, mec? Qu'est-ce que tu connais? Pourquoi tu fais le connaisseur? T'es Daniel Voiret, en fait. Est-ce que tu penses vraiment que Benoît Saint-Denis va lire ton commentaire? Ah oui, PNJ numéro 3555 a dit que j'avais trop accéléré, ben je vais baisser de rythme. Est-ce que tu crois que ce mec-là a besoin de toi pour avoir une analyse de son combat? Moi, je crois pas, en fait. Et comme je l'ai déjà dit juste avant, le problème avec ces mecs-là, c'est comme il y en a de plus en plus, moi, ça commence vraiment à me dégoûter du MMA, c'est pour ça que je le suis de moins en moins, hein. La preuve en est, moi, Baki Doumbé, j'ai absolument pas regardé, je m'en fous complètement, c'est pas des combats qui m'intéressent. J'ai suivi Benoît Saint-Denis Poirier parce que là, effectivement, c'était quelque chose d'intéressant, mais en règle générale, je suis très peu le MMA parce que, justement, j'ai aussi ce problème qui fait que, comme moi, je pratique les sports de combat, tous les PNJ qui suivent de loin ces événements-là viennent me poser des questions. Oui, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le combat Baki Doumbé? Peux-tu faire une vidéo? Car au boulot, nous nous interrogeons sur ça. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, en fait? Est-ce que je suis un commentateur RMC Sport? Est-ce que j'ai une gueule de commentateur? Non. Est-ce que je fais du MMA? Non, je fais pas du MMA, je fais du jujitsu brésilien. Alors qu'est-ce que tu viens commencer à me poser des questions, en fait? Je suis pas un expert. Oui, je peux te donner quelques clés de compréhension sur certaines phases de combat, bien sûr. Mais je vais pas commencer à te faire un exposé détaillé, parce que déjà, j'ai pas que ça à foutre, et même si je t'en fais un, tu comprendras pas, parce que finalement, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'autour, le superflu, les clashs, les débats de mongoliens, c'est ça qui t'intéresse. Le sport en lui-même, il t'intéresse pas, donc ça sert à rien que je commence à faire des analyses poussées de combat. Alors regardez sur cette phase-là, en fait, on voit que sur le coup d'œil, le mec, il a repéré que sur cette feinte, il a cette réaction-là, donc il va engager ce coup pour... Non, ça sert à rien, parce que vous comprenez pas, et en fait, ça vous intéresse pas, et moi, je vais perdre mon temps, en fait, parce que les gars, je vais vous raconter une anecdote, elle est véridique celle-là. Moi je me rappelle, à un moment je taffais quand je faisais mon taf de PNJ, il y avait un gars, je vous mens pas, tous les jours, le mec, il me posait les mêmes... Alors c'était un bot en fait le mec. Salut Mike, tu vas bien?
Alors je disais, oui, tu as vu mes mains. Et il me posait, le gars, il pouvait me croiser 5 fois dans la journée, il allait me poser la même question, en fait. C'était un vrai bot. C'était le mec, quand tu passais là dans les jeux devant le gars, il disait tout le temps la même phrase. Bah lui, c'était lui, voilà. Et il me posait tout le temps des questions sur le MMA. Alors, moi, à un moment, je lui ai dit, mais mec, écoute, si ça t'intéresse tant le MMA, pourquoi tu vas pas t'inscrire dans un club? Ah non, moi, je peux pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Même s'il avait plus de 30 ans, je veux dire, il n'y a pas d'âge. Pourquoi tu viens me poser des questions si au final, tu t'intéresses pas vraiment à ça? Est-ce que c'est juste pour me faire chier? Ou alors c'est pour être un peu dans la hype du moment, le MMA, et faire style que tu connais quelque chose? Donc les gars, moi, ce qui va se passer maintenant, parce que comme il y a de plus en plus ces mecs-là, j'ai envie de rétablir la vérité sur ce sport. J'ai envie de mettre en avant des vrais combattants, des vrais artistes martiaux, des vraies légendes de ce sport qui sont inconnus, méconnus. Je trouve ça inadmissible. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire des vidéos sur ces vrais artistes martiaux, sur ces mecs qui méritent d'être connus, qui vous montreront ce que c'est vraiment les arts martiaux, le MMA, la mentalité du combattant, à quel point ces mecs-là, ils sont bons, ils sont respectueux et ils sont inspirants. Parce que non, il y a des mecs aujourd'hui, je veux dire, ils sont mis sur le haut de l'affiche. C'est pas du tout des modèles à suivre, je suis désolé. Mais voilà, moi j'ai décidé de remettre les lettres d'or du MMA en avant et ces mecs-là en avant, parce que aujourd'hui, franchement, ça part en couille et j'en ai plein le cul. N'est-ce pas, Monsieur Fox? Tout à fait, Monsieur Wayne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire des idées de Bajar Contenders sur des sujets. Ça peut être n'importe quoi. Je suis un roi de la punchline. Je peux m'adapter très facilement. Mais n'hésitez pas aussi à me soumettre des idées de combattants sur lesquels vous aimeriez bien que je fasse une vidéo dédiée. Et me mettez pas des besios, s'il vous plaît. Commencez pas à me parler de Colby Covington, d'accord? Mettez-moi des mecs qui sont intéressants. De toute façon, c'est simple. Si le mec c'est un besoin, je ferai pas de vidéo sur lui. Voilà. C'est terminé, comme ça c'est réglé, c'est cadré, on n'en parle plus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la Bajar News, les gars, parce que si vous aimez les punchlines, dans la Bajar News, il y en a aussi un bon paquet. Les articles, ils régalent bien, je sais que ça plaît beaucoup, mais il n'y a toujours pas assez de mecs qui sont abonnés, et ça c'est problématique. Donc m'obligez pas à faire un Bajar Contender sur les mecs qui sont pas abonnés à la Bajar News, parce que vous allez pleurer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, arrêtez de faire les MMATX, et à bientôt sur Culture Bagarre. Si par hasard on vous tombe dessus en vous traitant d'enculé, je vous dis qu'il faut rester cool.